Zanmim, par contre, qui plan fait pour 2024? Mais MEODH a rappelé que moun qui était dans plan bon Dieu pas jamais échoué. C'est sous thème ça que MEODH pral organiser une grosse semaine rafraîchissement spirituel sorti 17 pour arriver 23 décembre 2023 à partir 4h30 dans Aswe. Ah oui, avec pasteur Fredson Luidor live sur toute plateforme MEODH. Fais plan pour là et puis gagne nouvelle là. Parce que sauter pompé, moun qui était dans plan mon Dieu pas jamais échoué. Thank you.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis internautes, chers combattants de la prière, m'espérez que nous tous nous très bien grâce à Dieu. Depuis matin, nous avons baigné, oui, dans source là, dans source qui pas jamais sécher, qui c'est l'Éternel des armées, source de vie. Donc, nous souhaitons à nous toutes bienvenue dans première partie programmation pour après-midi. Songez que moun ki nan plan bon Dieu pa jam échoué. N'a fait toute semaine ça, n'a tande thème ça k'ap sonné nan zorey nou chaque jour, chaque après-midi. Yon manière pour nou ka konnen si ta gen un seul moun pour nou placer confiance nou, li pa l'autre que l'Éternel des armées. Si ta gen moun que nou ta dwe faire crédit, li pa l'autre que l'Éternel le Tout-Puissant. Nous, sûrs et certains, depuis nous fait une seconde, une minute, nous pas en présence, mon Dieu, nous faisons pile bagay qui pas bon. C'est la raison qui fait nous péchons chaque jour, chaque minute dans la vie, nous faisons ça qui pas bon. Et après-midi, nous avons une chance ça pour nous capables à demander bon Dieu pardon pour péché nous. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Bonheur ça que bon Dieu promet nous à nous pas qu'à joindre à péché nous état ça. Nous pas qu'à joindre bonheur ça dans état nous y a. L'important pour nous capables joindre le pardon. L'important pour bon Dieu capable faire nous grâce pour nous capables jouir de bonheur ça que bon Dieu promet nous et permettre à ce que nous capables avancer au jour le jour vers la croix. N'a pas de vous capable chanter avec nous, pas décourager ce frère, pas décourager kembe pas lagué bon Dieu nous en les pas jambes en retard, les pas jambes perdu bataille. Sans attendre, je veux au bonheur promis. Au bonheur promis. Qui s'élance. Amen. Qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, d'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Bon Dieu là l'a observé, bon Dieu là l'a regardé. Dieu m'observe, qui préserve Mon Dieu capable d'empêcher ou tomber ma soeur, mon frère, ma fille, mon fils. Que ce monde et ses attraits ne séduisent jamais.
grâce, mon papa. Que ta face luise en moi, je meurs. Père, tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi. Mon Dieu, moi, chante ma victoire. Lorsque remporter la victoire, lorsque vous délivrez, lorsque vous guérir, lorsque vous pas persécuté encore, c'est une victoire remportée. Mais victoire ça, c'est l'Éternel. Ma victoire, c'est ta gloire. À chaque fois que nous remportons la victoire, c'est la gloire de l'Éternel qui éclate dans la vie nous. C'est la gloire de l'Éternel qui a fait chimer dans la vie nous. Oh, ma victoire, c'est ta gloire. Sabelle lui lorsque on quitte ces bon Dieu qui a guidé. Ma victoire. Lorsque on quitte ces bon Dieu qui il l'a pris en position pour vous, qui a pris en décision pour vous, qui a pardonné le péché, qui a lavé, ou pas gagné pour nos amis, pour aller porter problème, yo bali, c'est pas bon Dieu pour porter. Il suffit que ou jouez un pardon, non, mais mon Dieu. Ta gloire, oh mon Dieu, moi. C'est toi, Jésus, le numéro 285. Que recherche mon âme. Nous connaissons nous faibles, nous connaissons nous pas forts, nous connaissons nous impuissants, nous connaissons nous. À péché, péché nous yo rouge ta couleur cramoisi. Nous besoin yon repentance, nous besoin pardon, nous besoin grâce, nous besoin pour Dieu capable de laver nous, transformer nous, purifier nous. Mais nous connaissons la caille où nous capable de jouer le pardon. Je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Rends-moi, Seigneur. Moi, c'est lorsque mon Dieu finit par donner péché, là pour aller en paix, mon fils. Allez en paix, ma fille. Douce paix. J'attigerai. Dans les sentiers du monde. Dans les sentiers du monde. Ne connaissant ni ton nom, ni ta loi. Ni ton nom, ni ta loi. Tu me cherchas. Mon Dieu là, nous mettons la nuit là. Mon Dieu là, le fait noir. Dieu, mon Dieu, qui a assez de lumière pour être capable d'éclairer, pour identifier, pour le chercher, pour être capable de pardonner, pour être capable de lever en dignité, pour être capable de laver et pour toujours mentir par la foi. Mentir par la foi. Ta voix d'amour, ta voix d'amour. À moi, ce fut d'entendre. Alléluia, j'appris alors que tu m'as racheté. Oui, dans la minute, ça même nous apprenons que vous rachetez nous par ton sang qui a été coulé sur la croix pour nous. Alléluia, que tu m'as racheté. Et ton esprit à mon cœur font comprendre. Et ton charité, mon Dieu là, t'es toujours prêt, mes amis, pour nous recevoir dans mes lits. Parce que c'est mon Dieu qui plein de charité, alléluia. Charité. Oh, depuis ce jour, nous reconnaître que c'est mon Dieu qui est capable, qui est patient envers nous. Depuis ce jour.
ta longueur patience. Ta longueur patience. À supporter mes nombreuses tiédeurs. À supporter mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence. Alléluia. Ta longue patience a supporté mes nombreuses tiédeurs. Mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté. Là pour capable d'entendre et pour capable et comprendre que dans ça où il y a péché, ça qui empêche que vous jouez guérison, vous jouez libération. Mais mon Dieu, il y a pour prendre pitié pour vous. Mon Dieu, a pris pitié pour vous. Oui, c'est ça, Dieu. Nous connaissons bien à Golgotha. Mon âme te fut chère. Mon Dieu a parlé avec nous, l'a dit nous à Golgotha. Est-ce que nous rappelons-nous qui ça Jésus t'es pris pour nous? Ça t'es consenti pour nous. Je compte, mon Dieu, nous connaissons. Nous comptons sur nous, Seigneur. Sur ta fidélité. Sur ta fidélité. Psaume 51. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des prières, des taureaux sur ton autel. Amen. Nous, sûrs et certains, bon Dieu, tendez, crie nous, bon Dieu, a pardonné péché nous, et bon Dieu, a préparé Esprit Saint pour le voyer sous nous.
nous a pas baissé tête nous pour nous parler avec papa nous. C'est nous qui ça nous fait qui mal. C'est nous qui connaît côté nous péché et c'est nous qui connaît tout toute iniquité nous et c'est nous qui connaît dans quel niveau nous transgresser loi l'Éternel, yo loi bon Dieu. Yo. Et c'est raison ça nous devons parler ensemble avec papa nous. Prends quelques secondes pour nous dire bon Dieu prends nous Jean nous hier pour le capable faire de nous pâte à modeler et pour le capable ban nous forme nous voulons. Et nous sommes certains, lorsque c'est bon Dieu qui est capable de nous former, livrer, pas de rien qui peut paraître pour nous easy parce que bon Dieu nous a, il est toujours un projet pour nous et projet gain pour nous, c'est projet de paix et non de malheur. Amen. Nous sommes certains, bon Dieu, les pardonner péché nous et nous légère. Nous sommes certains, bon Dieu, à continuer à tout près nous et pour le capable, voyez Saint-Esprit dans la vie. Ô Saint-Esprit, descend sur cette assemblée en prière. Nous connaissons bien côté une ou bien deux réunis la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu est là. Et bien nous allons demander Saint-Esprit à pour capable descendre. Ô Saint-Esprit, descend sur cette assemblée en prière. Ô Dieu d'amour, que ce lieu soit
toi la chambre haute. Seigneur, sois la chambre haute. Dimanche là, nous t'ai gagné. Sous thème ça, nous t'a développé. C'est l'histoire fils prodigue qui t'a quitté maison papale. Pour lui, le fait qu'il quitte maison papale, c'était le meilleur choix qu'il a fait dans la ville. Mais lorsque Bagayo pas vint paraître, j'en te souhaité, lui prend chemin pour retourner à la caille papale. Et là, il te retourné. Le fait que papa a pas connaît qui ça, petite là, pendant tout temps ça, il te fait te quitter maison. Qui genre de bagay qui sous col même et papa te prend décision pour capable restaurer petite là avant même que li entre li recevoir li encore une fois petite là paraît dimanche là li dit papa garde tam et papa comprendre li analyser et papa accepter pour le transformer. Hier nous te wè mwen envie lever. Oui, en pile fois nous senti nous tomber. Nous pas connaît qui ça encore nous ta kembe capable ban nous courage, ban nous le bras pour nous capable lever. Eh bien, à chaque fois que nous senti nous tomber, papa a toujours prêt pour le capable recevoir nous. Et je dis sous thème dans c'est m'ap lever. Oui, et pour nous lever, pour nous prendre force, nous, pour nous dire, péché, pas qu'à faire nous, pas avancer. Le fait que nous cherchons le Saint-Esprit, nous besoin le Saint-Esprit, maison, papa, nous n'avons pas qu'à abandonner, parce que quand papa nous, c'est là, nous sommes en sécurité. Saint-Esprit, moins besoin, on qu'on y a. N'a pas de pour capable de faire un bagage dans la vie, nous. Un bagage, nous pas espérer. Un bagage, nous pas penser. Pendant que, bon Dieu, encore une fois, nous t'es quitté, nous t'es bail, bon Dieu, d'eau. Nous voulons retourner et semaine ça n'a pas retourné. Et bon Dieu prêt pour le capable recevoir nous. À ou même qui pat dans situation fils pour dire là, mais qui pensait en foi vent ça capable prendre les poter aller. Semaine ça nous inviter ou pour capable pas décourager. Sou aller faire même avec fils prodigue là retourner kay papa c'est semaine ça c'est ça n'a invité au fait et sou ta gen l'idée pour ta quitter maison papa ou, semaine ça nous invité pour retirer mauvaise pensée ça et pour capable rester quel que soit Jean Saillé noyé t'es resté dans l'âche là quel que soit ça qui t'est arrivé noyé avec bête yo li là mauvaise odeur nous y est là parce que le connaît c'est là l'a joine la vie éternelle et là l'a joine guérison et là l'a joine une solution à problème yo. Oui, cet esprit nous besoin cet esprit pour capable parler ensemble avec nous pour nous comprendre en pile fois c'est parce que nous baille cet esprit à dos nous retirer cet esprit à dans la vie nous pas bailler cet esprit à côté pour l'entrée mais invitez nous aujourd'hui hein faut nous bailler cet esprit à côté pour l'entrée quitter un petit espace pour cet esprit à joindre pour pénétrer et lorsque cet esprit à la ban nous garantit nous pas gagne l'idée pour nous quitter maison papa n'a prêté là quel que soit ça qui t'arrive et ça que fait n'a demandé pour capable rafraîchir dans mon spirituellement pendant semaine ça frère monsieur quel témoignage tout à l'heure comme ça pour pral bailler. Mon Dieu, fais un pile miracle dans la vie parce que le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, moi besoin pour y a faire un bagage dans la vie que ou beaucoup j'en fais. Saint-Esprit, moi besoin. Oh,
visiter nous. Dans un miracle que cet esprit a capable de faire dans la vie nous. Cet esprit nous besoin. Cet esprit nous besoin dans la vie nous. Après-midi, Matissa, fais un bagage, fais un miracle que vous propos. Fais un bagage que vous propos. Étonnez-nous cet esprit. Épanez-nous cet esprit. Épatez-nous cet esprit. Cet esprit nous besoin. La passe dans quel besoin caille là, quel que soit travail, quel que soit où t'as derrière vous la marche, ou à conduire, ou à suivre. C'est pour cet esprit capable d'accompagner vous. Si c'est la caille ou c'est, si c'est dans ça nous la caille ou chita ou à suivre dans télévision la caille, c'est pour cet esprit capable d'accompagner vous. Si c'est dans la rue, et cet esprit là l'a pas accompagné. Et nous demandons cet esprit à vous le capable prendre place dans la vie éternellement. Que cet esprit est capable de jouer un espace dans nous-mêmes pour habiter. Et nous suivons lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons des possibilités pour nous capables d'identifier la voix de Dieu qui a parlé ensemble avec nous pour le bien du Saint-Esprit. Et comme ça, nous avons discerné le bien. Merci infiniment notre Dieu, notre Père, parce que nous avons cet esprit comme le plus grand consolateur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci à nous-mêmes qui t'as suivi. Parti, confession et Saint-Esprit. Et monsieur, certains péchés pardonnés. Saint-Esprit a habité la caillou désormais. Que le Seigneur nous bénisse tous. Mesdames, Messieurs, auditeurs, internautes, chers et frères, chers amis des ondes, bonsoir. Que la paix de Dieu vous soit multipliée en cet après-midi. Même si nous avons un petit sérieux, mais nous content à chaque fois que nous connaissons la présence de bon Dieu. D'ailleurs, il y a un auteur haïtien qui dit « Nous avons chanté Lio ». Pi bel moment passé, c'est les mouen avec. Pi bel parole mouen tende, sorti nan bouchou. Et c'est pour ça que je ne pas vle passer aucun moment sans vous. Vous faites bien, vous faites bel. Rete avec moi, Seigneur. C'est-à-dire que Frère Bertrand se fait demande cet esprit avec nous. Mais nous connaissons toujours dit nous, je ne pas à l'aise, quel que soit parti ma faire. Si m pa invite l'esprit Seigneur, ba m di yon seconde fois pour li prendre place, m pa pa l'aise du tout. Parce que m senti m pa ka fè rien sans li. M pa konté sou ignorance mwen ni sou inexpérience mwen, même côté sou l'esprit Saint seulement. Traiter m Jean Ouvelé, c'est objectif parti si là. Et bien sûr, n ap toujours fait un courte prière pour l'effusion de l'esprit Saint. Pour que moment ça capable dicté par l'esprit de Dieu et que prière nous yo même capable exprimer par le Saint-Esprit pour que nous capable joindre des réponses sûres et sans tarder. Pendant que m'a préparé parti ici là, gen un épisode dans la vie disciple avec Jésus qui était monté dans l'esprit me dit bon si avel moi voulais guider prière demande Saint-Esprit. Lorsque Jésus annonçait disciples que li pral aller,
C'est une nouvelle que monsieur Pat prend avec joie. D'ailleurs, ça t'a attristé yo toutes. Et t'assemblé selon les dires de ses disciples, yo t'es prêt pour yo t'es touyé moun pour Jésus t'es resté avec yo. Mais lorsque Jésus garde visage, yo lui dit yo, me comprendre souffrance nous, me comprendre douleur nous, mais ne vous inquiétez pas parce que me pas prêt aller pour me quitter nous pour compte nous. Il dit, je vais m'en aller et je vais vous envoyer. Le français nous dit un consolateur, mais le grec dit un parakletos. Je préfère dire un parakletos parce que mot ça, dans tout théologien, il sonne bien que un consolateur quelconque que Jésus t'a envoyé nous. Parce que le mot parakletos, chers amis auditeurs et internautes, il n'est pas seulement traduit quelqu'un qui console, donc un consolateur, mais également un avocat. En ce sens, lorsque Jésus dit à ses disciples, « M'bralé, n'a pas besoin d'attrister, parce que m'a blessé pour nous yon parakletos, c'est à la fois un avocat. » Donc, il dit à ses disciples, « Dans un moment difficile, dans la tribulation, lorsque on va accuser nous, ne vous inquiétez pas parce que y a un avocat qui peut défendre nous. » Donc, c'est l'un des rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit nous défend. Pas seulement le combat, la défendre nous combattre pour nous, mais aussi devant le Père, parce que lui, il prend nos prières imparfaites pour les ranger, les modeler, pour faire monter devant le trône. Également, ce parakletos, c'est un guérisseur. Les 10 disciples, nous capables de briser. Nous capables malades, pas seulement physiquement, mais spirituellement, moralement, émotionnellement et financièrement. Les disciples, ne vous inquiétez pas parce que je vous laisse un parakletos. C'est aussi un guérisseur. Il prendra soin de vous. Les 10 disciples, j'ai été pour vous un ami. Pendant ce long voyage, il dit, ne vous inquiétez pas, je vous laisse un parakletos. Parce que le parakletos est aussi un ami. D'ailleurs, j'aime ce chant de nos hymnes et louanges. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre, à nous défendre, à nous entendre. Et également, c'est le rôle de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Il dit, yo, je vous laisse un parakletos parce que les disciples, c'était des disciples, ils avaient besoin d'un maître, d'un guide. Et Jésus pralé. Donc, notre tête, yo dit, mais qui est-ce qui pral guider nous? D'ailleurs, nous pouvons quand même convertir. Et puis, Jésus dit, m'bralé, m'envoyons parakletos. Car le parakletos n'est pas seulement un avocat qui vous défendra. C'est pas seulement un guérisseur qui vous guérira. Ce n'est pas seulement un ami qui vous accompagnera, mais c'est aussi un guide. Et comme nous le chantons souvent, guide infaillible et divin est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il est indispensable que désormais, depuis nous prier pour ne pas jamais pas demander l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint pas dit c'est un consolateur, mais à partir de cet après-midi, nous savons que le mot consolateur, c'est pas seulement quelqu'un qui console dans les moments d'affliction, mais c'est aussi un avocat, un guide, un guérisseur, un ami, etc., etc. Si nous t'apprenons détaillé pour nous, tout ça par Clétos, ça gagne la donne. Reste journée pas ta suffit. Mais heureusement, nous allons chanter au numéro 4 comme un cerf altéré brame. Et c'est après ce chant que nous allons formuler la première prière. S'il vous plaît, chantez pour nous et avec nous. Numéro 4, il me louange nous, hein, comme un cerf altéré brame. Thank you.
mon cher frère brame après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux, et la soif du Dieu vivant, et s'écrie en le suivant, mon Dieu, quand sera-ce que mes yeux verront ta face, mais je c'est de l'eau dans le jeu. Quand le monde, la nuit, il a crié petit bébé. Heureuse alarme, on me dit que faire mon Dieu. Je regrette la saison où j'allais en ta maison. J'entends avec les fidèles. Chagrin après-midi, Jésus, ben mon consolateur. Sur toi, espérant Dieu car encore, et ce bon, l'un n'a plus loué mon Dieu pour ça l'a fait pour nous après-midi, n'a plus un résultat. Il guérira mon tourment. Oui, le Seigneur guérira tous nos tourments. Au fond de ma souffrance. Attendons la délivrance du Seigneur. Dans de ta colère, sur moi 100 fois en passé. 100 fois en passé, mais par ta grâce, j'espère qu'enfin l'orage est cessé. Tu me conduiras le jour. Et moi la nuit à mon tour. Ni pour nous attrister, car nous espérons en ce Dieu que nous adorons en cet après-midi. Un jour, nous louerons le nom de Dieu lorsque nous va voir toute sa vie accomplie pour nous. Oh oui, nous avons un sauveur. Et c'est aussi lui, mon âme. Le Seigneur. Tant qu'on yon te sèche, capitaine la pluie tombée. Tant qu'on yon bébé, capitaine maman li a la télé. Tant qu'on yon garde la nuit, capitaine soleil levé. C'est comme ça nous soif présence ou après-midi. Tant prie papa cacher nous face. Tant prie Seigneur, déverser puissance l'Esprit Saint ou sur nous chaque. Guidez-nous, montrez-nous côté pour nous aller, comment pour nous aller et qui l'est pour nous aller. Béni moment de partage si là que nous avons gagné à travers MEODH. Que tout soit dit et fait pour ta gloire et selon la dictée de l'Esprit Saint. Ainsi nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, il y a un texte qui m'a beaucoup interpellé dans l'Ancien Testament que moi voulais partager avec nous. Rappelez-nous que parti ça c'est traiter Jean ouvlé papa. À maintes reprises, m'entendais histoire Israël qui rivait devant la mer Rouge et puis t'assemblait Moïse lever bâton et puis il fond la mer Rouge en deux. Son expérience qui prodigieuse qui montrait que pas qu'un rien bon Dieu pas qu'a fait. Jamais Dieu auparavant pas de fond l'en main by aucun monde passé. Et jamais un Dieu après
pas de fond même mon petit rivière ba yon moun passé. Mais le Dieu d'Israël fond la mer rouge là. Pour peuple li a passé non pas sous la boue mais son terre sèche. Et lorsque yo fin c'est un coup y a passé dans mitan deux aquariums. Et lorsque yo rive l'autre bon rivage là, pour Dieu refermer la mer rouge sur l'armée pharaon. Oui, c'est prodigieux. C'est extraordinaire lorsque nous racontons les prouesses de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Nous toujours fiers pour nous raconter comment bon Dieu délivrait Israël. Mais une question qui est toujours titubée dans l'esprit, c'est comment Israël fait trouver devant la mer rouge là. Moi-même, m'poser tête moi question et probablement l'offre l'île ou te ka seulement dit amen mais moi me dit tête moi comment Moïse fait mener Israël devant la mer rouge est-ce que c'est là tout le monde te kon passé pour que ça c'est là le passé c'est alors que j'ai pris ma Bible et j'ai consulté Exode 13 les versets 17 et 18 voici ce que j'ai découvert lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Mais pourquoi? Quoique le plus proche, mais pourquoi Dieu ne conduisit point le peuple d'Israël par le chemin des Philistins, quoique le plus proche? Avant de continuer la lecture, il me dit, bon, t'es gon l'autre chemin. T'es gon l'autre route que Moïse t'es qu'a fait avec le peuple là. Donc, je veux comprendre que Moïse fin prend peuple à quitter l'Égypte. Moïse était en route pour mener au sur la terre promise Canaan, qui était passé par le pays des Philistins. Mais arrivé un moment pour Moïse suivre chemin pour aller dans le pays Philistin, yo. Bon, je dis, nous pas passer dans route ça. Quoique c'était rouge qui était route qui était plus courte là ou bien plus proche là. Et faut me dire tout, c'était le chemin habituel. Chemin ça était en longueur d'environ 2 semaines de marche. Donc si Israël était passé par là, après 15 jours, il t'a dû arriver sous terre promise là. C'est pas Moïse qui dit bon Dieu, on fait l'autre route, mais c'est bon Dieu qui dit Moïse, nous pas passer dans route ça mon qu'on fait, n'a passer dans l'autre route. Mais qui route bon Dieu pral faire avec Israël? On route qui pas jamais existé avant. Et imaginez-vous, chers amis auditeurs et internautes, au moment où Moïse fait le détour, au moment où Moïse a quitté Chimé côté moun qu'on passait, la prend rak bois ou trajet, nous ka imaginer nous comment peuple a commencé à réagir, comment a commencé à murmurer. Parce que probablement on était connait bon, déjà avec bon sens où ouais côté route la fête. C'était Joseph était quand même adoquin, moi asphatlan, là son rage moi. Et gen yo en tant qu'esclave qui te contendé qui route moun kon fait, gen probablement te kon accompagné mettre yo lorsque a fait voyage yo. Donc yo habitué avec route ça. Mais pour qui ça Moïse fait chemin cochi ça? Oh là pas gen route. Mais c'est pas Moïse qui pral aller là mais c'est bon Dieu qui pral aller là. Avec peuple là. Et puis si nous avons envie de demander, nous, mais pour qui ça, bon Dieu, pas quitter Moïse, passer dans le chemin, puis écoute là. Et Dieu lui-même dit à Moïse, car nous lisons, le peuple pourrait, dit l'Éternel, se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu connaissant son peuple, Dieu connaissant ses enfants, lui dit, si je passe avec eux par le pays des Philistins, c'est pas que m'pap ka délivrer ou non, c'est pas que m'pap ka protéger ou non, c'est pas que m'pap ka passer avec yo non, mais yo même yo pa bon temps pour marcher pour yo. Et avant même que yo bon temps pour réagir et même côté autant des brigades a courir tourner Égypte. Et nous tout nous connaît qui ça t'a tendre Égypte. Pharaon te t'en prend la mêle pour venir trouer toute rapidité. Donc passant par le chemin le plus court, par le pays des Philistins, ce serait comme un génocide. C'est comme si bon Dieu prend peuple à éliminer l'abattoir, mais c'est des chemins tépicoute là. Et bon Dieu dit,
D'ailleurs, c'est le texte qui dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et pour qui ça, bon Dieu, passé par la mer Rouge, outre cette raison que je viens d'énoncer, c'est parce que bon Dieu t'a dit puis devant, ouais, Égyptien, ça, on a gardé là, nous pas gagné droit, jamais encore. Passant par le chemin des Philistins, c'est Israël, yo pas d'ab, jamais entendu parler de lui encore. Mais passant par le chemin de Dieu, c'est ennemi Israël, yo pas jamais entendu parler de lui encore. En pile fois, nous pas comprenons, nous, où Chimé voulait passer avec nous. Des fois, nous, ouais, tout le monde fait 4 plus 4 égale 8, nous voulons faire le tout. Mais bon Dieu dit nous, non, il faut nous faire 2 plus 1 plus 3 avant de jouer 8 par nous. Mais nous dit bon Dieu, nous devons faire 4 plus 4, nous fini. Ça c'est plus simple. Mais bon Dieu, qu'on est s'il a fait 4 plus 4 avec vous, pour arriver plus facile dans 8 là, c'est pour malheur ou avec perdition. Mais qui est ce bon Dieu tapier s'il t'apprend nous, lui fait nous passer dans le chemin qu'on a perdu la vie nous. Qui papa le tapier, dis-moi qui maman, qui papa qui apprend, si mouni, lui passe non ou, lui connaît mouri la donne. Et c'est même gentou, cette situation est similaire à notre vie aujourd'hui. Parfois, nous qu'on voulait atteindre un objectif. Et puis, nous voulait des fois prioriser connaissance nous, expérience nous, chimé que l'autre monde passe pour nous passer tout, chimé qui picoute là, mais avec bon Dieu, pas gain découpé, pas gain raccourci. Le plan de Dieu est le meilleur pour ta vie. D'ailleurs, s'il y a une chose que vous devez toujours garder en tête, c'est que le plan de Dieu n'échoue jamais. Au grand jamais, plein bon Dieu pas qu'on échoué. Et si route l'a fait avec quoi, ou t'a dit pas gain ou pas un ghetto, c'est lui même qui crée terre avec ciel là, donc c'est lui qui fait route. Ou la capable gain asphalte, lui capable gain confort. Mais la route de Dieu est toujours la plus sûre et la plus sécuritaire. Route qui mène à destination, c'est route bon Dieu tracé avec quoi. Li ka kochi, klopan, monte, descend. Li ka passe par le désert qui c'est un moment d'épreuve. Li ka passe par le besoin qui c'est un moment d'épreuve. Li ka passe par la faim. Li ka passe par la maladie. Li ka passe par la pauvreté. Mais tant que vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes dans le chemin, sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, ne vous inquiétez pas. Vous arriverez sûrement au bon port. Mais soit elle fait route découpée pour après un petit coup pour passer, c'est dans ou à casser. Et c'est pour ça, à partir de ça, c'est traiter les gens ouvrés à papa. Nous allons prier pour me terminer. Cette prière, ce sera laquelle? Et comme l'avait dit Jésus à Gethsémané, au Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Après-midi, c'est une prière très simple, pas compliquée. On va dire, bon Dieu, ou même jeune fille, jeune garçon, que ce ne soit pas mon plan d'avenir, mais ton plan. On va dire, ou même jeune fille qui voulait choisir un petit bonhomme pour marier, ou même jeune garçon qui voulait jouer une jeune femme pour marier, on va dire, Père, que ce ne soit pas mon choix, mais le tien. Ou même qui besoin pour une décision sous la vie. Dis bon Dieu que ce ne soit pas mon plan, mais le tien. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Que ce ne soit pas mes désirs, mais les tiens. Et lorsque nous nous remettons entièrement entre les mains de Dieu, dans le plan de Dieu, nous arriverons toujours sûrement au bon port. Et c'est pour ainsi dire, vous rappelez le texte de David, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si plein bon Dieu a passé par la vallée de la mort, vous arriverez au bon port. Ou à quelle rime? Même si le chemin de Dieu passe par la vallée de la mort, vous arriverez toujours au bon port. Quelle bonne rime! Nous allons prier, chers amis, chers soeurs, chers frères. Nous n'allons pas chanter. Mais que nos prières soient la mélodie de cet après-midi. Père, que ce ne soit pas ma volonté,
mais la tienne. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu as conçu des plans de bonheur, de paix, d'espérance et d'avenir sur chacun de tes enfants. Merci parce que tu as déjà tout planifié dans le moindre détail. Merci parce que tu as tout conçu pour notre bonheur et notre plus grand bien. Mais Père, à cause de notre ignorance et aveuglement, nous toujours voulons faire chimer nous ou être on fait, ou qui picoute là. Mais n'oubliez que le monde qui compte tracer route là, ce n'est pas les hommes, mais c'est bon Dieu. Après-midi, à prier nous, c'est qui s'allie. Nous venons déposer reine la vie nous dans pays vous. Nous venons déposer trône la vie nous dans pays vous. Nous venons déposer plan nous yo, objectif nous yo, visée nous yo. Nous venons déposer tout dans pays vous. Nous venons déposer plan académique, plan professionnel, plan financier, plan familial, plan spirituel. Nous venons déposer tout dans pays vous après-midi. Oui Seigneur, que ce ne soit pas notre volonté, mais uniquement la tienne. Que ta volonté soit faite dans notre vie, comme au ciel. Ainsi nous t'en supplions, au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, j'ai annoncé celui-là dans un zénith de la grâce à Napla. Et j'ai annoncé hier, n'a fait toute semaine ensemble. Pour nous bail bon Dieu louange dans cadre semaine de prière ça bon Dieu planifié c'est bon Dieu qui planifié pour nous capable ensemble avec vous dans cadre semaine de prière ça matin nous pas de fait plan pour nous être ensemble dans jeûne mais Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu et nous t'es ensemble et voilà nous dit mon Dieu merci parce que n'a pas respiré malgré situation yo difficile, eh ben jodi a nan ti souf sa que bon Dieu kite nan nou nous consacrer nous pour nous bay bon Dieu louange nous consacrer nous pour nous faire travailler malgré vents et marées que ce soit le la pluie que ce soit le tempête et balle etc. nous toujours là nous dit bon Dieu merci parce que depuis nous gain santé n'a respiré eh ben bon raison qu'il faut pas l'hôpital frère qui coucher l'hôpital cap souffrir moins té ca nan place li si pas nan place li gon raison qui fait seigneur fait pas nan place li parce que c'est pas pi bon passer c'est pas pi juste passer mais gon raison qui fait seigneur a eh ben m'a profité de chaque minute dans vim m'a profité chaque seconde dans vim pour m'bailler bon Dieu louange pour me faire le maximum de moi pour me faire bon Dieu plaisir. Oui, bon Dieu prend plaisir dans la louange, bon Dieu prend plaisir lorsque on témoigner jodi a n'a pas bailler chance pour 5 moun témoigner. N'a demandé pour mettre en nous nou capable et afficher et numéro téléphone pour nous afficher numéro téléphone pour nous et comme ça et moun yo capable commencer relayer pour témoigner pendant que nous parlons chanter ensemble abandonner ta vie tes craintes et tes vœux et pendant n'a chanter musique ça pas hésiter relayer pour témoigner n'a bay possibilité pour 5 moun capable témoigner et ben ou même qui t'ai raté moment témoignage et matinée de jeûne de prière là et ben nous t'ai bon rendez-vous là oui n'a prétend nous pour capable relayer pour témoigner que ce soit ou t'es sous Chanel Kellison nous saluer ou t'es sous Chanel et Frère Brutus nous saluer Église Adventiste Europe d'Haïti nous saluer Chanel principal là nous saluer Podbean Radio MODH Facebook Twitter et quel que soit côté il y a et ben nous saluer mais numéro à l'afficher c'est 36 99 69 26 et ben c'est sous numéro ça ou pour relayer pour capable témoigner pendant que n'a chanter de numéro 38 abandonner ta vie tes craintes et tes vœux et nous bon possibilité pour un quantité de 5 monde capable témoigner et automatiquement corréler quel que soit côté mieux dans champ m'a camper pour moi témoigner parce que nous pas grand pile temps vraiment pas grand pile temps vraiment je pourrais reler pour capable témoigner
en chanter ensemble. Abandonner ta vie. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Qui j'en relais, qui côté ou attendez nous? C'est Nadine Mornay, ma petite. Nadine, ou écoutez nous qui bon? M'attendez nous en Floride. Nous saluons tout le monde qui est en Floride qui branche nous là. N'attendez témoignage ou Témoignage, moi, m'a dit bon Dieu merci pour amour li et pour bonté li, miséricorde li envers nous. Envers famille moins foyer petite moins et pour décembre les constats moi t'es Haïti m'a espéré que si m'ta venir aux États-Unis mais bon Dieu fait grâce depuis dans mois de mars moi entré aux États-Unis nous connaissons qui programme moi loué non bon Dieu pour ça m'exalter non et moi me dit bon Dieu merci d'avance parce que m'gain petite m'gain deux garçons qui a bas âge, qui a Haïti avec toute ma rime, que mon gars t'en dit bon Dieu merci, que je connais que la réuni, famille, pour nous capables de témoigner grandeur, plus encore. Et nous saluons tout le monde, MODHO, qui est là, parce que travail nous, nous ne pouvons pas joindre, nous ne pouvons pas payer nous sous tes mais c'est dans, là-haut dans le ciel. Merci beaucoup. D'accord, Sœur Nadine, nous sommes contents de vous avec nous. Nous espérons que le Seigneur a obtenu des paroles, il a obtenu des prières. Eh bien, on va continuer à louer, bon Dieu, demain, si Dieu veut, dans le zénith de la grâce ensemble avec nous. Oui, allô? Bonsoir, Rémi Odea. Bonsoir, ma soeur. Qui côté vous obtenez de nous, qui j'en relais? Mon père, c'est Ange Blaïlis, Blaïlis, mais je obtenez de nous du côté de Delma 75, Blé 11. Nous saluons tout le monde, Delma 75, plus précisément qui est dans la zone publique 11, qui attendait nous là et nous attendait témoignages. Moi, je suis pour me dire bon Dieu merci pour tout ça qui fait dans la vie. À chaque fois, je chante alors pour me témoigner dans MODH. Moi, toujours dis que Dieu tellement fait pour moi. Je dis Dieu merci. Malgré Jean Moyer, mon savon, il toujours fait grâce, il toujours là pour moi. Chaque jour, mal travail, il protège, il contre kidnapping, contre toute vie attaque. Moi, je dis bon Dieu merci. Moi, je dis Dieu merci parce que l'année dernière, dans l'heure comme ça, moi, j'étais à peine à terminer études, moi, en sciences comptables. Je fais que, à peine que l'année 2023 rentrée, c'était en février, mais en décembre, que moi été Morisa, c'est le 29 décembre, je crois. Moi été dit Dieu, je connais pas, même passé trois premiers mois dans l'année 2023 que m'a travaillé. Effectivement, Dieu fait grâce. En février, j'ai été relevé dans l'Association nationale des caisses populaires haïtiennes, côté que j'ai fait passer au stage de trois mois. Et en mai, j'ai fait un KBM en tant que comptable dans l'Institut de ça. Moi, dis Dieu merci. Parce que quand pile mon petit paquet année que yo là sur terrain yo pas travail mais moi même si que m'a travail pour Dieu merci pour ça et me dit Dieu merci pour paquet l'autre bagaille fait dans la vie
qui m'a pris un témoigné, assuré à ta petite, que non capable de bénir de en éternité. Merci. D'accord, c'est par nous, t'es content, gagnons ensemble avec nous. Et est-ce que nous avons l'autre monde là, soulignant? Et si pas, nous étions trois mouns encore, nous étions dit nous prenons cinq mouns, nous étions sous deux mouns, nous étions trois mouns encore pour témoigner. Et qu'il soit ton espérance si tu veux être heureux. Pour... Oui, allô, Gomoun Souligne, nous avons dit allô. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur, qui j'en relais, qui côté de nous? C'est Sœur Christine, Atlanta, Georgia. Nous saluons tout le monde, Atlanta, Georgia, qui branche nous là, même j'ai avec vous, et nous avons des témoignages. Oui, moi je voulais dire bon Dieu merci pour petit garçon, ça que lui fait mon cadeau. Je viens aujourd'hui à l'Igène 2 ans. L'aime temps cette nuit, en 2021, en janvier 2021, ça me dégaine un mois enceinte, moi je suis baissant. Donc, je suis couru à l'hôpital, je suis sauté, parce que moi j'ai fait une fausse couche déjà auparavant. Et puis, je suis sauté, fait toute nuit, je n'ai pas dormi. On va te faire mal, on tranche, on va te faire mal. Je ne suis pas supporter encore courir à l'hôpital. Parce que je suis allé à l'hôpital, parce que je suis allé comme si pour moi, je dis, hey, madame, pite la mourir. Je suis sauté. Bon, Dieu fait pour moi. Je suis arrivé à l'hôpital. Au lieu de prendre une nouvelle mort, je prends une nouvelle la vie. Et moi dis bon Dieu merci qu'on y a petite garçon ça gagne 2 ans septembre qui se passe à la belle 2 ans à la gloire de Dieu. Moi dis bon Dieu merci, continue prier pour famille ça. Non pas c'est Christine chérie et prier pour famille ça. Moi dis bon Dieu merci pour l'église là, hein, pour programme ça qu'on a fait au nom de Jésus. Merci. D'accord sœur Christine, nous prenons note. Et nous bon rendez-vous demain si je viens encore une fois pour un bouillon louange dans Zénith de la Grâce. Oui, allô? Hello, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Comment vous allez? Qui côté vous attendez nous? Moi, je suis Marie-Joseph. Je suis attendue dans Floride. Nous saluons tout le monde de Floride qui branche nous là. Moi, je veux dire bon Dieu merci pour ça le faire, pour ça le continuer à faire pour moi. Et spécialement, moi, j'ai un petit message pour elle pour en tête. Moi, j'ai prié mon Dieu pour être capable de réussir, pour être capable de passer le test. Mon Dieu, t'a fait passer le test. Moi, je dis merci pour ça. Et nous, nous avons béni l'objet de l'éternité en l'éternité. Merci, restez avec la paix de Dieu. Bon Dieu, béni, amen. Bon Dieu, béni, nous, c'est pas. Nous, restons seul monde. Est-ce que vous nous soulignez, la dialogue? Oui, nous étions moun, n'aptan dernier moun sa, pour nous capables de démarrer avec la louange, nous te dit n'apprend et 5 moun. Oui, allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, ma soeur. Qui côté ou aptan de nous, qui j'en relé? Floride, moun Floride remporté la Mayole en ce soir. Oui, nous saluons encore une fois. Wap di nou non. Nom c'est Manon Dogen. Nom c'est Manon Dogen. Manon, n'ap tan de témoignage ou. Pardon? N'ap tan de témoignage ou. Bon, dis bon te merci parce que tout. Pendant l'année, je suis en train de prier pour le bagage. Et dans le moment, ça me sent que je dois agir la foi pour dire merci d'avance parce que avant l'année finie, j'ai accompli dans la vie moi, selon volonté. Je me bénis déjà pour ça. D'accord, Sœur Manon, nous te contents gagnons avec nous. Nous espérons que vous êtes présents avec nous demain, si Dieu veut, dans Zénith de la Grâce à partir de 11h30. Moi, bah, rendez-vous pour capable de louer nos bons dieux pour tout ça le fait et ça l'a continué à faire pour vous. Nous parlons de bon Dieu louange, nous parlons de démarrer avec le numéro 43. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre. Numéro 43 et maestro, nous pour aller le numéro 43. Mounio prêt pour louer, mounio prêt pour avancer. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre.
remplit mon cœur maintenant de joie et de verve. L'amour vainqueur qui, malgré ma faiblesse, veut me donner à moi, pécheur, la victoire sans cesse. Est-ce que je veux chanter de tout mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter le temps d'amour qui dans les jours de peine rend le poids du chagrin moins lourd, consolera ses rêves. Chanter l'amour de Dieu, chanter l'amour de Dieu, oh l'amour qui pas pareil, oh l'amour qui pas limite, chanter l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui est toujours sur moi. Amen, amen, amen. Qui garde en tout temps, en tout lieu, et jamais ne sauver. Chanter, chrétien, je veux chanter de tout mon cœur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle. Chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de le numéro 48, tu m'as aimé Seigneur, enchaînez ça. Tu m'as aimé Seigneur avant que la lumière brilla sur l'univers, que ta gloire a formé et que l'astre du sa carrière versa la vie à flot sur la nature entière. Mon Dieu, tu m'as aimé, Mon Dieu, tu m'as aimé, sur la croix infâme, en vie de Jésus-Christ, le corps inanimé, chanté chrétien, et quand pour m'arracher à la terrible flamme, ton Saint-Fils a porté les crimes de mon âme. Mon Dieu, tu m'as aimé. Mon Dieu, tu m'as aimé. Quand par l'esprit de vie, le feu de ton amour en mon cœur allumé, ouvrir les nouveaux cieux à mon âme ravie. Quand la paix fut en moi, de sainteté subie, mon Dieu, tu m'as aimé. Tu m'aimeras toujours. Amen. Ni la chair, ni le
don. La mort de tes dons n'arrêteront pour le mal à mon âme. Pour le mal à mon âme. Amen, amen, amen. Ta grâce surabonde à ton mon amour, ô Dieu. Que mon amour réponde, toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Pour le mal à mon âme, pour le mal à mon âme, ta grâce surabonde à ton amour, ô Dieu. Que mon amour réponde, toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes toujours. Pour le mal à mon âme, pour le mal à mon âme, ta grâce surabonde à ton amour, ô Dieu. Que mon amour réponde, toi qui m'aimes toujours, toi qui m'aimes. Pour le mal à mon âme, pour le mal à mon âme, ta grâce surabonde à ton amour, ô Dieu. Que mon amour réponde, toi qui m'aimes toujours. Numéro 517. 517. M'aime toujours. Je chanterai ton grand amour. Amen, amen. L'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel. Si grand et pourtant si réel. Si grand et pourtant si réel. Chanter ça, toujours chanter chrétien. Je chanterai ton grand amour, amour de Dieu, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour, je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux chanter le soir, amen. Quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, alléluia, toujours chanter ça, toujours, ah oui, chrétien, je chanterai ton grand amour, amour de Dieu, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter, je veux chanter sans me lasser. Amen, amen. Tu m'as aimé, toi, mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. Amen, amen. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Alléluia, toujours. Chanter ça, toujours. Je chanterai ton grand amour, amour de Dieu, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour, je chanterai, je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan. Car avant tes flots sont mesurés, mon Dieu qui contrôle nos visites, mon Dieu qui contrôle nos sont dirigés. Amen. Et par ta main sont dirigés. Alléluia. Toujours chanter chrétien, toujours. Amen. Je chanterai ton grand amour, amour de Dieu, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Oh, chante ton nom. Oh, chante ton nom jusqu'au grand jour. Chanter toujours, chanter
ton grand amour. Ami, ami, chantons, chantons ensemble. Il est joyeux à sonner. À que merveille nous rassemble. Ce jour, c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Pour que sa charité nous baisse en haut, amis, en haut les cœurs. Travaillons pour la même cause, n'ayant que maître dans les cieux. Aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Bon Dieu, vous allez chercher, bon Dieu. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Pour que sa charité, pour que sa charité nous baisse. En haut, ami à rouler, mais pour marcher à la bataille, soyons les membres de ce corps. On s'aime joyeux qu'on s'en aille, en haut, c'est réel, et fort. On va s'efforcer sous chant des chrétiens, amen. Avec allégresse, celui qui sauve les pécheurs. Pour que sa charité nous baisse en haut, amis à rouler. Cette victime du calvaire enflamme le cœur innoir. Ne perds nous, perds nous ton vrai sanctuaire. Tiens-nous tous au pied de ta croix. Avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Pour que sa charité nous laisse en haut, ami en haut les cœurs. Aimons jusqu'à l'heure suprême, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime. Que sa charité nous baisse en haut, ami en haut les cœurs. Jérusalem, cité de Dieu. Amen. Pourrais-je, voici ton seigneur, et recevoir dans ton Seigneur, de mon sauveur, et nous accueille, de la durée infinie. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais, l'Empire est ainsi là. Pour tout y gloire, au grand roi triomphant. J'entends les chants, harmonieux, pour les humbles, au son si beau, racheté, dans les hauts cieux, Dans son palais, l'Empire est là. Pour tout dit gloire, au grand roi triomphant. Être avec lui, au Saint-Esprit, le contempler, dans sa splendeur, à ses côtés, pour m'asseoir, pour ma pécheur, dans son palais, l'Empire est là. Pour tout dit gloire, au grand roi triomphe. Là je verrai, Enoch, Moïse, Abraham, Isaac, Isibagé. Quand au Père du nous revêtu, nous louons le. Seigneur Jésus, pire, que la dure pire.
palais, dans son palais, l'empire est excellent. Pour tout dit gloire, au grand roi triomphe. Là je verrai Enoch, Moïse, Abraham, Isaac, ici bas j'ai tout perdu. Revêtu de ton corps, nous louons-le. Cherchez mon Dieu, très bientôt nous pral chita bon côté Jésus. Alors là nous pral réjouir, fait cœur content, zanmi men. Ah oui, fait cœur content parce que Seigneur a un plan pour la vie. Mon qui était dans plan bon Dieu pas jamais échoué. C'est vrai chrétien, ça m'a dit là. C'est vrai. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain si Dieu veut dans Zénith de la grâce m'attend nous pour une louange, pour témoigner, pour nous dire bon Dieu merci pendant deux derniers mercredis ça y est pour année 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis du MEODH, maintenant nous sommes arrivés au moment de la prière d'intercession. Nous allons approcher du trône de grâce, du trône de félicité et de compassion pour que nous soyons capables de parler avec le Seigneur, lui-même qui est capable de répondre à nos desiderata. Les mêmes qui capables répondre à nos problèmes et qui cabaille solution. Moi inviter nous chaque qui là dans moment ça. Ou même qui gagne téléphone ou dans main. Ou même qui chita devant télévision qui est capable agir la foi et parler à Seigneur. Les mêmes qui tout puissant. Les mêmes qui c'est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, les mêmes qui ont solution à tout problème, en prier, papa nous, en ce moment. Moi inviter nous chaque à adopter une attitude de prière. Moi inviter nous à fermer les yeux nous. Et là, côté où il y a, si vous êtes capable, vous va descendre à genoux. Suivant côté où il y a, vous va camper. Si vous couchez, prenez une attitude de prière intérieure. Et nous allons invoquer le trône de gloire, le trône de félicité, le trône de grâce pour que bon Dieu capable d'intervenir dans chaque cas. Il y a plein de monde qui est malade, qui a besoin de guérison. Il y a des monde qui est censé décourager par les problèmes de cette vie. Il y a des monde qui est senti abattu par le poids du péché. Gagnez qui parouait devant, qui parouait d'ailleurs. Eh bien, nous allons prier, bon Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous croyez ça, à nous prier, bon Dieu. Fermez les yeux, tête baissée, et nous prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion,
Dieu de grâce et de bonté, nous voici en ta présence ce soir avec tes enfants prosternés. Nous sommes venus tels que nous sommes dans notre Père avec nos fardeaux. Nous sommes venus avec nos problèmes de toutes sortes. Tendre Père, nous avons l'assurance que tu es présent parmi nous. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les miracles que tu as opérés dans le temps, jadis, tu peux encore les opérer en ce temps-ci. Tendre Père des cieux, tes enfants sont connectés à travers ce réseau. Et tu dis dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Oui, Seigneur, nous sommes assemblés en ton nom à travers les différents réseaux du M et ODH. Dès au tendre Père, intervenir puissamment dans chaque cœur et que tu opères des miracles époustouflants. Ce soir, nous voulons te présenter tout cela qui travaille à l'exécution de ce programme. Nous voulons te prier en particulier pour les siégeants. Dès au tendre Père, les visiter et surtout leur accorder ton Esprit Saint afin qu'ils soient à même de te représenter dans tout ce qu'ils font et ceci pour la gloire de ton Saint-Nom. Tendre Père, nous comptons sur toi. Agis puissamment en notre faveur. Agis, tendre Père, à main forte et à bras étendus. Délivre, guéris, pardonne et console. Et que cette semaine de prière nous soit un tremplin, nous menant vers les cimes de l'éternité. Entends, pardonne, exauce, fais au-delà, tendre Père, de nos mérites, de nos espérances. Nous te prions, non parce que nous ayons quelques mérites, nous n'en avons aucun, mais nous te prions au nom de Jésus, le vivant, le régnant, au siècle des siècles. Amen. Seul qui mérite toute la fidélité.
J'annonce l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Chers frères et sœurs internautes, nous comptons encore une fois à Soya pour que nous capables là, pour que nous continuions avec cette semaine de prière. Qui c'est un cadeau que bon Dieu baille nous en cette fin d'année 2023. Nous exalter, nous bénissons Seigneur pour cette grâce que lui accorder à chacun d'entre nous. Nous comptons pour que nous capables là, ensemble nous réunis à travers ces réseaux Gagnant qui sur YouTube, et nous saluer les amis de YouTube. Gagnant qui sur Facebook, nous saluer les amis de Facebook. Gagnant qui sur Radio, Radio MEODH, nous saluer tous les amis qui attendent nous, qui recevoir nous à travers les ondes de la Radio MEODH. Et nous saluer si là qui trouvait sur l'autre plateforme, qui participer à cette semaine de prière et nous disons béni soit l'Éternel. Moun qui était dans plan bon Dieu pas jamais échoué. Moun qui était dans plan bon Dieu pas jamais échoué. Oui. C'est une vérité absolue. Noël nous connaît nous expérimenter à travers la Bible tout monde qui était dans plan bon Dieu yo pas jamais échoué parce que notre Seigneur il n'échoue jamais. Assoya nous pral continuer avec série de présentations autour de ce grand thème monde qui était dans plan bon Dieu pas jamais échoué. Hier soir, nous t'avons Jonas, grâce bon Dieu, t'es kembé dans plein, malgré rébellion Jonas, mais bon Dieu dit, vle pas vle, wap rete dans plein. Et la grâce de Dieu t'est intervenue dans la vie de Jonas, et il t'est sauvé à la grâce de Dieu, il t'est sauvé à la gloire de Dieu, il t'est sauvé parce que bon Dieu, t'es fait grâce. Avant de commencer avec message à Soya, je m'invite encore une fois à passer à l'évangélisation numérique, à l'évangélisation digitale. Encore une fois, nous allons passer au chiffre de la perfection. Nous, chaque qui capte réseau, nous allons partager live là, avec 7 mounes. On a fait ça rapidement. N'a partagé live là avec 7 moun, avec 7 groupes. On fait ça rapidement avant que nous commencions avec message à Soya qui c'est Joseph. Courage parce que ou nan plan bon Dieu. Joseph, courage parce que ou nan plan bon Dieu. Entre-temps,
Je vous invite à partager live là avec sept monde, avec sept groupes, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram. Partagez avec vos amis, parce que maintenant, c'est le moment de l'évangélisation numérique. C'est l'heure de l'évangélisation digitale. Là, côté où il y a, ou pas besoin de déplacer pour aller inviter au monde, venir suivre semaine de prière, hein? Mais avec téléphone, ça que nan men là, ou à partager lien, hein? Partager link là avec vos amis. Et la bénéficier de messages que bon Dieu voyait pour nous assoya. Joseph, courage, parce que on en plein bon Dieu. Ce thème lui rappelait mon chant créole que me remet en pile. Et c'était un chant qui t'a aidé dans le combat que moi qu'on a mené. Il dit bien-aimé, moment où on dit pour vous, où on dit bon Dieu blié, c'est pas vrai. Li songe, c'est expérience l'a fait avec vous. M'ta remé chanter, chante ça avec nous. Avant que d'entrer dans expérience Joseph t'a fait dans la ville et à soi à nous bral expérimenter les sept chapitres de la vie de Joseph. Et nous bral ouais, ni moi-même ni vous-même, nous expérimenter dans la vie nous les sept chapitres de la vie de Joseph. Bien-aimé, il y a quelquefois moment au contraire dit pour vous, ou qu'on dit bon Dieu oublié ou c'est pas vrai, les songer ou c'est expérience l'a fait avec vous. Gen quelquefois moment yo contredit pour ou qu'on dit bon Dieu blie ou c'est pas vrai li songe ou c'est expérience l'a fait avec ou. Gen quelquefois moment yo contredit pour ou qu'on dit ou qu'on dit, bon Dieu, blie ou c'est pas vrai, c'est pas vrai. Li songe ou c'est expérience, c'est expérience. Oh, la fête a bien quelquefois enchanté, enchanté. Bien quelquefois, moment yo qu'on dit pour ou qu'on dit, bon Dieu, blie c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Li songe ou c'est expérience la fête avec vous. Yon seul bagaille, yon seul bagaille, moi connais votre ça changé. Pas découragé, toujours est à prier. Parce que bagaille la pas prêté comme ça. Il va prêter comme ça, faut que ça change. Yon seul bagaille. Yon seul bagaille, moi connais, faut que ça change. Pas décourager, toujours est à prier. Parce que bagaille, la pas prêter comme ça. Il va prêter comme ça, faut que ça change. Bien-aimé, bon Dieu grand monde. Oh bien-aimé, bon Dieu grand monde, il fait saluer, lui accompli, merveille, j'enlève. Si ou ta ouais, si ou ta ouais, pour beaucoup délivrer. Pas inquiété, qu'on est ça va changer. Yon seul bagaille. Yon seul bagaille, moi qu'on est, faut ça changer. Oh, pas décourager, toujours est à prier. Parce que bagaille, la pas prêter comme ça.
li pa prete kon sa, fòk sa chanje. 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 Li pa prete kon sa, mwen di, fòk sa chanje. Li pa prete kon sa, 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 fòk sa plan bon Dje. Joseph, courage, parce que ou nan plan bon Dje. Genèse 37 présente la vie de Joseph. Genèse 39 continue. Genèse 40 continue. 41, 42. Et rapidement, nous allons essayer ouais, les sept chapitres de la vie de Joseph. Et rapidement, nous allons regarder avec nous Genèse 37, verset 2 et 3. Qui présentait la vie de Joseph, le premier chapitre de la vie de Joseph. Et mais qui ça le dit? Il commençait comme ça. Il dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, à savoir Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Bien-aimés frères et sœurs, le premier chapitre de la vie de Joseph, il commençait avec stabilité. Li commençait avec bénédiction, li commençait avec promesse, li commençait avec l'amour. Et là où déjà ouais, dans Genèse chapitre 37 verset 3, li dit que papa li t'aimé Joseph plus passé l'autre monsieur yo. Et qui t'aime dit ou ça rapidement, Joseph t'a gain un petit défaut. De temps en temps, l'a rapporté à papa la mauvais propos que l'autre monsieur a dit, l'autre grand frère quelquefois, il a parlé mal. Et Joseph, dans son innocence, dans son enfantillage, l'a rapporté à papa, il dit, papa, mais qui ça monsieur yo dit qui pas bon? Et l'autre bagaille, Jacob tellement remet Joseph, plus passé l'autre négio, li fait une robe de plusieurs couleurs pour Joseph. Déjà, Jacob l'a dit clairement, visiblement, publiquement, que li remet Joseph passer toute l'autre petite yo. Et ou qu'a déjà imaginé ça qu'a passé dans le cœur l'autre frère yo. Déjà, Jacob comme père l'y implantait dans le cœur des autres frères une semence de jalousie, une semence de haine. Malheureusement, Joseph, dans son innocence, l'y commençait épisode de la ville comme ça. Déjà, plus aimé que les autres, l'y trouver dans une situation très difficile. Et au verset 5, il y a un autre bagaille qui pral paraître. Joseph pral gagner un songe. Et il pral raconter rêve ça à ses frères. Il fait un premier songe, il voit que yo tout frère yo t'est réuni. Yo t'a cassé et puis yo t'a cassé gerbe. Et puis il gardait li ouais pas là puis longue passer l'autre monsieur yo. Et dans son innocence
Joseph lui racontait rêve ça à monsieur yo. Et déjà nèg yo commencé plaindre. Au verset 8, yo dit, eh bien, Jean ou fait rêve ça, gen lè ou bral dirige nous, gen lè ou bral régner sous tête nous. Malheureusement, Joseph dans son innocence, li pral fait un deuxième rêve côté que li wè le soleil, li wè la lune, li wè les 11 étoiles qui représentaient ses 11 frères. Yo tout yo vin mette à genoux devant le soleil là qui représentait papa là, la lune qui représentait maman là, et 11 étoiles yo qui représentaient ses 11 frères. Li wè soleil là, li wè la lune, li wè 11 étoiles yo vin prosterné devant là. Malheureusement, dans le premier chapitre de sa vie, Joseph pa gen expérience là raconter rêve ça à ses frères. Zami m'a dit ou ça assoya. M'a dit ou ça assoya. Tendez ça zanmim, tendez ça zanmim, apprendre ça, c'est pas toute révélation bon Dieu ba ou pour partager avec moun, c'est pas toute révélation bon Dieu ba ou pour al témoigner, c'est pas toute vision bon Dieu ba ou sous la vie ou pour al raconter là à yon frère, à yon sœur, que t'es un frère qui saute dans même ventre avec ou que t'es un sœur qui saute dans même ventre avec ou voir yon frère l'église, yon seule église, parce que gen bagay bon Dieu bon sous la vie ou li concerne ou même seulement automatiquement ou di moun sa, l'homme naturellement li jaloux. Et la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Et même moment, la vie de Joseph li passé à travers le deuxième chapitre. Et nous bralouer dans Genèse 37, versets 11, 18 et 19. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Premièrement, ou va garder lorsque papa abat Joseph la robe à plusieurs couleurs, monsieur yo commencé gen haine contre Joseph. Lorsque Joseph commencé raconter rêve que le fait yo, monsieur yo vin gen plus haine contre Joseph. Et yo dit ti nom ça fon fait un bagay avèl. Et nèg yo commencé fait plan pour que yo capable éliminer Joseph. C'est le deuxième chapitre de la vie de Joseph. Et où va garder monsieur réuni, yo dit faut qu'yo tue Joseph. Yo dit faut qu'yo élimine le, parce que yo pas qu'à digérer cette vérité que Joseph comme petit frère libral gouverné yo. Yo pas qu'à accepter cette prophétie que Joseph gen poul vini la tête de la famille. Yo pas qu'à accepter cette réalité dans l'avenir Joseph libral chef famille là. Yo di, faut qu'yo élimine ti nom ça. Et yo allez, y a le travail. Et Joseph dans son innocence li poursuiv yo. Et lorsque Joseph a vini au verset 18 de Genèse 37, il a dit, il le vit de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà, monsieur dit, faut qu'yo tue Joseph. Parce que nèg sa commencé, gen trop grand vision. Li a deux reprises fait yon vision qui présentait, li pral dirige nous, li pral gouverner nous, an tuel. Mais Ruben dit, monsieur, an pa tuel, an pa verser le sang innocent. Ou kite me dit, ou aswe azan mim, même si méchant yo campé, y a fait complot sous dos, même si méchant yo décidé, fini avec avec la vie, mais le Saint-Esprit a touché Kayon quand même pour dire pas fait ça, pas fait ça, parce que l'Éternel fait qu'on est, s'il pas baille, personne pas qu'apprend. Sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Si bon Dieu pas baille,
en bas, pas qu'apprend. Oh, le Saint-Esprit, parler dans le cœur Ruben. Il dit, monsieur, on ne pas fait ça. On ne pas tuer. Parce que nous prenons verser le sang innocent. Au lieu de nous tuer, on nous retire le manteau. Belle rade papa te baille là. On nous retire le manteau. On nous lague, monsieur, dans le puits. Et qui ça nous prend faire? Nous prenons prendre rade ça. Nous avons tué yon cabrit et nous avons badi jonen manteau avec 100 cabrit là. Et nous prenons aller côté papa nous. Nous prenons dire, monsieur, mourir. C'est vrai, en réalité, nèg yo pas tué Joseph, mais dans la pensée, yo voulait éliminer le de la scène, parce que vision que le gain pour l'avenir, vision, promesse que bon Dieu mettait sous l'IA, monsieur dit, faut que yo gâte li pa gen droit réaliser. Et puis, yo vin réfléchi. Yo dit, on fait un cob avec l'pito. Pendant que au bon chemin, hein, gain des marchands, Ismaélite, Madianite qui a passé, qui pralait en Égypte, il dit, on fait un bar qui plus simple. On nous vend, monsieur, et nous pralait avec robe là, n'a dit papa, bête féroce, manger Joseph, et nous pas tourner avec elle. Mais qui bon, bien aimé frères et sœurs, la jalousie capable mener l'homme. Frère, c'est vrai, yo tout pas même maman, mais yo tout c'est même papa. Mais la jalousie, comme on le dit souvent, la jalousie rend l'homme méchant. Et c'est pour ça que je te dis, dans le premier chapitre de la vie, il y a un bagage, bon Dieu présenté, pas raconter moun. Il y a une vision, bon Dieu, pas à témoigner, parce que la jalousie rend l'homme méchant. Et sortant de là, monsieur a décidé vendre Joseph pour 20 cycles d'argent. Et déjà, Joseph retrouvé dans le troisième chapitre de sa vie, Genèse 37, 20 à 28. Oh, Joseph est vendu. Joseph est vendu par ses frères et les marchands ismaélites l'ont emmené en Égypte comme esclave. Nous va imaginer Joseph qui enchaîné comme un esclave, et ceci à travers l'œuvre de ses frères. Oh, frère Joseph, Maril, Yovanli, comme esclave, même Jean, Jésus, t'es venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, lui-même qui t'est venu vers son peuple, vers sa nation, vers monde qui t'est dit, yo compte bon Dieu, et Yovanli, yo crucifié à la croix. Eh bien, Joseph, comme type de Jésus-Christ, a été vendu par ses frères pour devenir esclave. Bah, on est combien de monde qui l'a souhaité à Captain Dem, qui déjà connaît ces gens de souffrance, un pile monde qui ont été trahis par leurs frères. Beaucoup de gens ont été trahis par leurs sœurs. Beaucoup de gens ont été trahis par des membres de leur famille. Oh, que c'est dur de vivre ces gens de situation trahis par ses proches. Bien-aimés frères et sœurs, Joseph est vendu comme un esclave par ses frères, l'y emmené en Égypte, enchaîné avec un autre statut. On va comprendre, Jean Braille a quitté la Kali bien propre pour la joindre ses frères, et ces mêmes frères Lio qui trahit, yo la gueule dans puits, yo t'a pral tuer, mais bon Dieu pas bail pour voir ça. Et m'a dit assoya, le fait que on en plan bon Dieu, yo mettre fait complot, Jean Ovlé, yo pas qu'à tuer, yo pas qu'à déjouer, parce que bon Dieu campé, li dit li pas baillou, parce que ou nan plan bon Dieu. Joseph, t'as dû mourir, mais bon Dieu campé, li dit
arrêtez et sachez que je suis Dieu. M'papa Joseph, nous ka font l'autre bagaille avec nous va vendre lui comme esclave en pensant détourner le plan de Dieu. Mais ça les hommes pas comprendre. Ça bon Dieu dit, la fèle quand même ce que sa bouche a dit, sa main la compliera. Même si les hommes pensaient yo ka dévier le plan de Dieu, yo pas capable. Les hommes ka metto en retard, mais yo pas ka stopper le plan de Dieu. Les hommes ka changer plan bon Dieu, mais yo pas ka éradiquer le plan de Dieu. Ça bon Dieu veut faire, la faire quand même. Il veut dire de manière claire, les hommes ka changer de trajectoire, yo ka fait trajectoire la changer, mais ça bon Dieu décide faire, la faire quand même, parce qu'il est le Tout-Puissant, il règne d'éternité en éternité. Et maintenant Joseph est arrivé en Égypte comme esclave, il est arrivé comme esclave domestique. Et Joseph joint la grâce pour que là le travail, la caillon officier de Pharaon appelé Potiphar. Maintenant, nous sommes au 4e chapitre de la vie de Joseph. Nous sommes dans Genèse 39 et nous allons jeter un coup d'œil sur Genèse 39, versets 7 à 20. Joseph, comme esclave domestique, a travaillé à la caille Potiphar, un officier de Pharaon. Et sortant de là, texte l'a dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Mes amis, l'esclave domestique qu'est Joseph, maintenant s'est vu aimé, il s'est vu admiré par la femme de son maître. Et chaque fois il entrait la caille pour le vin nettoyer, chaque fois il entrait dans la caille pour le vin balayer, chaque fois il entrait la caille pour le vin passer mop au madame Potiphar, par l'autre monde que le remet, par l'autre monde pour qu'il couche avec. Il dit, Joseph, couche avec moi parce que je m'aime. Mais Joseph connaît non seulement l'issé esclave, mais l'issé petit bon Dieu. Chaque fois que madame l'envini, il dit, non, pas qu'à faire un bagage comme ça. Parce que l'elle songeait côté bon Dieu, sorti avec elle. Et l'elle songeait Potiphar, qui c'est son maître, qui mettait la caille là pour le travail. Il dit, il n'y a pas qu'à faire un bagage comme ça. Joseph, comme hébreu, ayant grandi dans l'enseignement hébraïque, il connaît la loi de Dieu interdit, la convoitise, il connaît la loi de Dieu interdit, l'adultère, il dit, madame Potiphar, m'pas qu'à faire un bagaille comme ça. Oh, de temps en temps, madame l'an a tenté, génome l'an, mais monsieur dit non, il pas qu'à faire un bagaille comme ça. Et au dernier ressort, madame l'an dit, vle pas vle, ou a couché avec, parce que il dit, Joseph, c'était un bel garçon, monsieur, t'es bien campé. Et madame Potiphar, ouais, faut passer un moment avec jeune garçon ça. Et au dernier ressort, puisque la femme de Potiphar ne parvient pas à convaincre Joseph par la parole, maintenant elle a décidé de faire ce qu'on appelle un harcèlement sexuel. Li décidé faire un viol sous Joseph. Li décidé faire violence. Et li courit sous monsieur. Li dit couchez avec moi. Et Joseph pral répondre. Li dit comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Li dit mon maître Potiphar, li bon droit sous toute bagaille qui n'en caille là. Mais li dit quant à vous-même, pingam touché. Et lorsque femme l'entendait ça, li énervé et Joseph courit, li kembe rad Joseph et Joseph courit. Et maintenant femme ça, li allé côté Maril pour dire Maril, mais esclave ou vinn mette là hébreu ça, mais monsieur vinn mette main sous moi. Monsieur vinn violer me carrément. Bien-aimés frères et sœurs, Joseph a décidé de rester fidèle. Et maintenant, fidélité Joseph va le conduire en prison.
Potiphar décidé mettez Joseph en prison parce que Joseph, d'après les dires de sa femme, t'a tenté violer Madame Lee. Alors que Joseph prend décision pour rester fidèle à son Dieu, pour rester fidèle à son maître. Peut-être que Jodia, pour un pile dans nous, c'est une belle occasion pour être capable de gagner en relation avec la femme de notre maître. C'est peut-être une occasion pour nous jouer une promotion. C'est peut-être une occasion pour nous capable de faire joler. Mais Joseph lui-même, il était fidèle à l'Éternel. Et premier bagage, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Quel bel exemple pour nous de cette génération. Une génération qui, je dis, a livré totalement dans l'immoralité. Et je dis, nous va attendre ça qui va passer à travers les journaux, à travers les médias sociaux, comment les hommes déraillés en ce qui a trait à la sexualité, à l'immoralité et décisions caprins qui mettaient l'avenir en danger. Quel bel exemple. Joseph, maintenant, pral en prison parce que les décideurs étaient fidèles à l'Éternel. Mais question capable de poser, pour qui ça? Pour qui ça, bon Dieu, quitter Joseph, aller en prison pendant que les fidèles? Pour qui ça, bon Dieu, pas stopper emprisonnement ça? Parce que le type ira en prison à cause de sa fidélité, à cause de son engagement. Bon Dieu, quitter aller en prison. Parce que même dans la prison, bon Dieu gagne une mission pour son serviteur. Même en prison, bon Dieu gagne une mission pour son serviteur. Et là, nous sommes au 5e chapitre de la vie de Joseph. Joseph qui allait dans la prison et étant en prison, bon Dieu pral bay Joseph yon ministère. Bon Dieu pral lage dans main Joseph yon don. Li pral lage dans main Joseph yon talent. Et c'est avec ce talent, bon Dieu pral utiliser pour délivrer son serviteur. Lorsque Joseph est arrivé dans la prison, la grâce de Dieu avait, et c'est ça, il dit au verset 21, il dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. N'tare même moun ki gen biblio, moun ki ka ouvri biblio dans verset ça. Genèse 39 verset 21. N'tare même ou mette texte ça dans la vie ou asoya. Ou li dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Mes amis, même dans la prison, bon Dieu était avec son serviteur. Et il était étendu bonté sur son serviteur. Et il était metté en faveur dans yeux chef prison. Fais prier sa zanmim asoya. Dis bon Dieu, sois avec moi comme tu l'as été pour Joseph. Seigneur, sois avec moi comme tu l'as été pour Joseph. Laisse ça bon, dis bon Dieu, sois avec moi. Laisse ça pas bon, dis bon Dieu, sois avec moi. Même bon Dieu qui était avec Joseph lorsque papa le terrain maintenant. Même bon Dieu qui était avec Joseph lorsque papa te baille belle robe là. Même bon Dieu qui était avec Joseph lorsque l'état baille songe là. Eh bien, ce même Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Ce même Dieu était avec son serviteur, même dans la prison. Et lorsque Joseph arrivait dans la prison, bon Dieu mettait le don de la prophétie dans main Joseph. Et c'est avec don ça, libral délivré son serviteur. Et où va garder dans Genèse 40, lorsque et chanson avec Pantier, yo chaque pral fait yon songe et Joseph pral expliquer au songe là. Lorsque et chanson dormi, li wè gen yon pied bois qui gen trois branches et gen raisin qui donnait.
Eliwel kap presse raisin et qui gen un coupe nan men la kap servi roi. Mais avant qu'il te me dire et chanson avec panetier c'est des serviteurs du roi et nek sa ou te vin gen problème avec roi et roi mette yo nan prison et kon y a là yo vin fait des rêves. Panetier a tout fait on l'autre rêve li wè li genyen un panier qui genyen des pains blancs. Mais li même li wè gen oiseau qui a piqué pain sa yo. Et puisque Dieu était avec Joseph, la bonté de l'Éternel t'est environné son serviteur. Yo vin côté Joseph, yo dit Joseph, puisque nous wè genyen la main de Dieu sur vous. Mais qui rêve nous fait? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer un rêve ça yo? Et il dit et chanson. Rêve ou en veut dit que dans 3 jours, bon Dieu le roi libra rétablir dans tes fonctions. Et il dit panier ou même dans 3 jours le roi libra exécuter. Et chose dite, chose faite dans 3 jours roi li rétablit et chanson dans ses fonctions et quand au panier li exécuté et là popularité Joseph commençait augmenter dans tout royaume là il a parlé de un petit bonhomme qui gagnait l'esprit de Dieu sous lui il a parlé de un petit homme qui compte interpréter les songes il a parlé de un petit homme qui compte interpréter les rêves et maintenant après 2 ans, Pharaon lui-même, libre à faire un songe. Et songe, si là, libre à répéter à 2 reprises, libre à louer 7 vaches grasses. Et libre à louer 7 vaches maigres. Et ligade, libre à 7 vaches maigres, yo va manger les 7 vaches grasses. Et vision répétée à 2 reprises. Et lorsque tête Pharaon, l'icho, lui dit, faut le comprendre, vision ça. Eh bien, et chanson, aller côté roi, lui dit, roi, eh bien, il y a un hébreu là, du nom de Joseph, monsieur, lui compte interpréter les rêves, lui compte interpréter les songes. Et maintenant, yo voyez les Joseph. Et lorsque Joseph vini, li vin côté roi. Li dit roi, rêve ça. Li répéter 2 fois, c'est parce que li important. Et bon Dieu voulait montrer que son prophétie qu'a réalisé quand même. Li dit 7 vaches grasses que ou te wè a, c'est 7 années d'abondance que royaume l'en va connaître. Pral gen manger à profusion pour tout royaume l'en. Pral gen manger k'ap gâté. Mais il dit les 7 vaches maigres, c'est 7 années de misère, c'est 7 années de calamité, c'est 7 années d'inflation qui pral tomber sous royaume là. Et de ce fait, ou doit prendre une décision sage pour que pendant les 7 années de vaches grasses, pour capable faire réserve pour les 7 années de vaches maigres, pour que nous gagnions assez de provisions pour nous capable nourrir tout le royaume. Aïe, aïe, aïe. Et lorsque roi attendait, non seulement Joseph interprétait songelant, et il fin interpréter songelant, li baille conseil, li baille stratégie, roi dit. Ti nom, ou trop intelligent. Et mais qui ça dit dans verset 37? Verset 37 de Genèse 41. Ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen.
Moi dit ou ça dans chapitre 5 là, bon Dieu mettait dans main Joseph un instrument, il mettait dans main Joseph le don de l'esprit de prophétie, il mettait dans main Joseph l'interprétation des songes et c'est avec interprétation des songes que bon Dieu pral mettait Joseph dans le sixième chapitre de sa vie. Oui, bon Dieu pral élever Joseph en dignité. Joseph pral vini le premier ministre d'Égypte parce que bon Dieu te baille le don de la prophétie, le don d'interprétation des rêves et des songes. On m'a dit ou ça zamim. Bon Dieu gen on bagaille li met nan main on. Bon Dieu gen on don li met nan main on pour capable sortir nan trou ou yéa. Est-ce qu'on prêt pour capable utiliser le bon Dieu mette nan men ou yon instrument, li mette nan men ou yon don pour que ou capable utiliser. C'est avec bon Dieu pral passer avec ou. Et ce don li conduit Joseph vers l'élévation. Joseph vini le premier ministre de Pharaon. Et Joseph pral arriver dans le septième chapitre de sa vie. Côté que misère pral gaye sous tout pays a. Inflation gaye dans toute contrée a. Et les frères de Joseph, yo pral vini en Égypte, yo pral vini chercher manger. Nadim qui sacrivé, à qui est-ce yo pral croisé comme premier ministre kap bay manger, c'est Joseph. Oh lorsque Joseph rencontré avec monsieur yo, di en pile montée descente qui fait mes derniers moments qui rivé, Joseph pa kakembe. Et dans Genèse 45, li dit Joseph ne pouvait plus se contenir lorsque li wè monsieur yo vin dè manger devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car il était troublé en sa présence. Au septième chapitre de sa vie, bon Dieu mettait Joseph en face de ses frères, moun qui te van liyo, moun qui te lagel nan pui, et après qui van liyo, bon Dieu mettait yo en face li, et c'est lui-même qui a bayou yo manger, c'est lui-même qui sauvait la vie yo avec manger. Et Joseph dit: monsieur, allez en Canaran, à chercher papam, à chercher toute famille yo, vini avec yo en Égypte, parce que famine nan pral continuer. Mais en Égypte, pas de problème manger. Vini en Égypte, vini habiter. Parce que là, gen manger. Vle pas vle, promesse là, li réalisé. Vle pas vle, prophétie accompli. Joseph, courage, ou nan plan bon Dieu. Gen en pile Joseph kap tandem asoya. Gen en pile Joseph kap pran humiliation. Gen en pile Joseph yap humilié. Eh bien, qui te m'di ou, bientôt, très bientôt, moun ki tap humilio yo, moun ki tap persekito yo, bon Dieu pral leve ou en dignité et ou gen pou aide yo. Le ou vin devant, pinga ou agi même gens avec yo. Et gade ça Joseph fait. Li pran yo, li bay yo manje. Li bay yo bénéfice, li pardonne yo. Et m'vin comprendre, bon Dieu élevé Joseph en dignité, c'est parce que Joseph te gen l'esprit de pardon. Zanmim asoya, m'en invite ou à cultiver l'esprit de pardon. Bliye mal que yo fè, bliye péripétie ou faut passer. Mais konnen que péripétie ou passe yo, pap jam empêche plan bon Dieu ya réalisé dans la vie. Parce que la Bible dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et Paul pral dit dans Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moun ki nan plan bon Dieu, n'importe ça ou fait là, bon Dieu a transformé en bien. Parce que vle pas vle, faut plan bon Dieu a réalisé. Pareil moun kap fò soufri, pareil moun kap fè ou mal, au contraire, remè yo parce que yo pa ka empêcher plan bon Dieu réaliser dans la vie.
Les chapitres de la vie de Joseph montrent que, quel que soit ça que t'avais arrivé, plan bon Dieu a l'a réalisé. Seulement, rete fidèle. Rete fidèle à bon Dieu. Et plan l'a réalisé dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et un si beau message comme ça. Côté que y a dit nous, monde qui fait nous mal, pareil au lieu que nous remettons, au lieu que nous raillons, c'est remettre vous remettons. Parce que l'Éternel lui-même m'était fait ça. L'Éternel lui-même était arrivé gain l'amour vous-même, démon qui t'a bail problème. Il était arrivé gain pitié pour yo. Il pas jeté au dans fosse là, mais il était dit fais ça que vous voulez sous bête impur yo. Frères et sœurs, nous arrivons dans un moment côté que nous voulons rafraîchir nous dans l'ouange de l'Éternel. Et pour que nous capables de faire ça sans plus tarder, nous voulons camper, kotoya, camper et nous voulons chanter. Lever, camper, jeunesse, l'Éternel. Voyager en haut, étoiles levées. L'armée, bon Dieu, en route pour les ciels. Lever, camper, les arrivés. Les arrivés pour suspendre. Raimoun. Les arrivés pour un email. Les arrivés pour faire que content parce que l'Éternel est déjà résolu le problème. Levez, campez, je laisse l'Éternel. Voyager en haut, c'est toi nous lever. La en route pour le ciel, bébé, camper, les arrivés, t'allais comme ça, trompette la balle et solé, avec son chiot, sauver nous pas retourner, t'allais comme ça, Jésus va nous aider, pour nous quitter le monde, pour nous voler, lever, camper, lever, camper, jeunesse éternelle. Voyager en haut, c'est toi nous lever. La mer, bon Dieu, en route pour le ciel. Lever, camper, les arrivés, les concerts, oui, ça fait la tombe, la balle est sonnée. Avec un jour, tout le monde est tourné. La lettre à l'air, comme ça, Jésus va nous aider. Pour nous quitter le monde, pour nous voler. Oui, pour aller, faut nous réparer, faut nous gagner en robe, pareil à Jésus, c'est en robe blanche, le ciel réclamé, caractère vie, compas, t'allais comme ça, t'allais comme ça, nous mettre la balle et sauver, avec un chant, sauver nous par le tourner, oui, t'allais comme ça. Jésus va nous aider pour nous quitter le monde, pour nous voler dans le ciel. Jésus va nous aider pour nous voler dans le ciel. Jésus va nous aider pour nous voler dans le ciel. Jésus va nous aider pour nous voler dans le ciel. Oui, la fini, parole dit moi ça, la fini. Chantez ça, ni même li a fini. Amen. Encore une deuxième fois, encore une deuxième fois. Jésus-Christ va le barrer. En pile, mon monde le connaît. C'est très bien, va finir. L'assemblée va porter tout le monde qui aime lui. Li même li a fini. Amen. La fini. Baba, li dis-moi ça. La fini. Événement, yo dit ça. Oui, la fini. A nous tous chanter ça. Lui-même, les cap fini. Amen. Pas servir les bas. C'est le vrai, c'est moi. Pas prier portrait. Même portrait, mon Dieu. Ni portrait, les saints. Ni portrait, les anges. Pas m'étaler nous. Ou devant vos sobras. Comme un merci là. Ni mettez. Ouais, ma bobe et tout, ça m'a
que mon sauve. Oh, grâce à Dieu, merci. Jésus va aider pour marcher dans l'ordre. Jouk li va venir. Pas mettre à genoux devant pied en l'ordre. Pas oublier que l'homme, c'est un créatif. Pas jambo go bag. Pas jambo go main. Papa nous jaloux. Li va comment pas si là. Reposer samedi, pas travail samedi. Au samedi c'est sabbat. Depuis notre dimanche, comment c'est travail? Mais les samedis rivés, comment ça se dit? Vive c'est la demain, mais oui ma pauvre, ma pauvre. Comment que vous êtes? Comment ça se dit? Je vis à péril. Zanmim, m'pa konn ki plan fait pour 2024. Mais MEODH a rappelé que moun ki rete nan plan bon Dieu pa chanm échoué. C'est sous thème ça que MEODH pral organiser yon gros semaine rafraîchissement spirituel soti 17 pour arriver 23 décembre 2023 à partir 4h30 nan aswe. Ah oui, avec pasteur Fredson Luidor, live sous toute plateforme MEODH.
fais plan pour là et puis gagne nouvelle là. Parce que sauter pompé, moun qui était dans plan mon Dieu, pas jamais échoué. Pas encore.